présenter quelques exercices de vitesse et de réflexe. C'est parti pour le premier. Je me place face à ma partenaire qui va laisser tomber une balle et je vais devoir la récupérer après un rebond. C'est parti, je bouge les jambes et décalage, je la récupère et je lui redonne. Je reviens, je bouge les jambes et je reviens. On va faire deux fois encore. Je me replace à chaque fois, je bouge les jambes et je démarre. Maintenant, on complique un petit peu, on fait la même chose, mais je vais être de dos, d'accord? Ma partenaire, juste avant de lâcher la balle, va dire top. Et au top, je me retourne et je récupère la balle. C'est parti, partenaire. Top. 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 Maintenant, un exercice avec raquette. La même chose, j'ai deux balles. Ma partenaire part au niveau de la bandelette, en position d'attente. Elle va sautiller et va devoir courir très vite vers la balle et ralentir sa course pour maintenir la balle sur sa raquette et je la reprends. C'est parti. Je la reprends, replacement. Je sautille. Course rapide. Je ralentis ma course près de la balle et je replace vite en courant. Je sautille et je cours vite, vite, vite. Et je reviens en courant. On refait encore une fois. On se tire et hop, on démarre vite, on court. Et normalement, c'est un rebond, d'accord? Un rebond et on y va. Ma partenaire se place de dos, jambes écartées, et je vais faire glisser une balle entre ses jambes. Elle va devoir courir vite pour la rattraper et me la relancer, d'accord? Regarde loin devant, on ne triche pas, on ne regarde pas ses pieds. Hop, on y va vite. On la récupère et on la lance. On refait encore une fois. On peut aussi la lancer sur les côtés, droite ou gauche. Hop, allez. On la lance. Allez, lancer. On peut aussi le faire au-dessus de la tête pour qu'il y ait un rebond. Donc tu dois la récupérer après un rebond. Prête, on regarde loin devant. Un rebond, hop, on démarre. On refait, on essaie de faire qu'un rebond. Je vais lancer un petit peu plus haut. Hop, un petit signal sonore pour aider. Et on récupère après un rebond. On n'hésite pas à dire hop au moment où on lance la balle pour que ce soit plus simple. D'accord? Même chose. On peut prendre une petite raquette. On la place ici. Je fais rouler une balle. Tu récupères la balle. Ensuite, tu prends la raquette. Avec la raquette, tu lances la balle sur moi. D'accord? C'est parti. On récupère la balle. Vite, vite, vite. On prend ensuite la raquette. Et on fait un petit lancer. Lance, tu la lances avec la raquette. En tapant dedans. Tout doucement, que je la récupère. Et je la récupère. Très bien. On repose la raquette là-bas. On refait la même chose. Avec un lancer cette fois-ci en l'air. On se retourne. Pareil, je vais dire top quand je lâche la balle. C'est parti. Top. La balle est en l'air, elle rebondit. Un rebond, je la récupère. Vite, vite, vite. Je prends ma raquette. Et je lance la balle. Vas-y. Et je la récupère. Prêt. Exercice. Je vais lancer la balle en l'air. Elle va rebondir une fois par terre. Et ma partenaire va devoir courir vers la balle et lancer vers moi. Et je me décale sur le côté. C'est parti. On sautille, en mouvement, les jambes. Hop, je lance, je mets sur le côté, petit revers. Je la récupère, elle se replace. Les jambes qui bougent. Côté coup droit, je mets sur le côté. Tout doucement, je la récupère. Et ainsi de suite.